Bon bah les gars, on est le lendemain. On a peut-être bien 4 cm de neige. Voilà, là j'ai mis le flash comme ça vous voyez et ça tombe encore. Il est 5h24 du matin. Et on part pour aller au boulot. Ça vous voyez même là. Hein. De la belle neige qui colle en plus. On va essayer de démarrer. Mais je crois que ça va être tendu. Oh merde. Oh. Bougez pas. Ok. Ah, j'ai mis un coup d'essuie-glace, mais c'est gelé. On va aller prendre quelque chose. On a pris une petite raclette. Comme je vous ai dit hier dans le live et dans les vidéos, ça fait tellement. On n'a jamais de neige, nous. Du coup, quand on en a un peu, bah ça fait plaisir. Regardez là. Non, mais l'épaisseur de fou. Dites-moi si vous, sur Blois, enfin dans les alentours du Loir-et-Cher, vous avez eu aussi de la neige. Parce que hier, il n'y en avait pas qui tombait. Bah mon copain, on va voir, on va essayer de pas casser la voiture. Parce que je pense que les routes, ça doit être pareil. Ah ouais, bah il y a des phares. C'est beau, c'est magnifique. Et en plus, ça tombe encore. Hein, c'est. Voilà, au moins le pare-brise, lui, il est à peu près dégagé. Les gilets mains, ils sont gelés. Vu le froid qu'il fait, il y a grande chance qu'en roulant, ça continue à geler. Regardez l'épaisseur là. On va laisser, on va juste enlever les phares. On va laisser toute la neige sur la carrosserie. On va allumer les petits feux. Bon bah sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous fais voir vite fait un petit tour de pâté de maison. Bon, il y en a partout, hein, de la neige sur le toit, partout. Bon, le but du jeu c'est de reculer. L'allée elle est pleine de neige. On va voir si on va pouvoir. Oh là! Oh là! Oh le pneu avant, mon pote! Je sais pas s'il y aura un peu de vent, j'ai la fenêtre ouverte. Bougez pas. Ça glisse un peu les gars. Je vais vous prendre un petit peu comme ça, histoire de vous filmer un peu comment c'est. Il y a une voiture qui est passée mais la neige qui tombe encore ça. Là ça veut me ramener, hein, y a pas à chier. Thank you.
main, ça se tire. Mais là, on peut pas, il y a des fossés partout. Bon, je vais vous reprendre un petit peu plus loin, voir un peu comment c'est. Les routes, ils sont pas totalement déneigés, mon copain. Regardez ça. Pourtant, c'est un grand axe, hein. C'est ce qui relie Blois à Vendôme. Là, si tu roules ici, frérot, bah, ça glisse la mort. Bon, là, on est à Vendôme. Du coup, il y a tout autant de neige. Voilà, il y a 20 minutes qui nous séparent. Ça fait à peu près 15 km. Alors, attendez, je vais ouvrir cette petite fenêtre, même si je vais avoir froid. Ah, oh, voilà, c'est... vous essuyer. Bougez pas, j'attends que la voiture se... Hop. Eux, ils ont coupé tout ce qu'il y avait sur le rond-point. Il y avait plein d'herbe. Ah ouais. Ben voilà, dans le Loir-et-Cher, ça a bien plu. En tout cas, dans Blois Vendôme, jusqu'à maintenant, c'est top. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager la chaîne. Et puis bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je sais pas si la neige va tenir après que j'aurai fini le boulot. Mais bon, c'est à tiens. Pourquoi pas vous faire des petites vidéos sous la neige. Je verrai ça tout à l'heure. Sur ce, je vous laisse les amis. Et puis à une prochaine vidéo. Bon bah je suis arrivé au boulot. Regardez le camion. Enfin, il est à peu près comme chez moi. Ouais. Oh, il y a peut-être un centimètre de plus. Regardez l'épaisseur. Ah, il y a peut-être un centimètre de plus sur Vendôme. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, on est plutôt pas mal. Puis voilà. Bon, je vous laisse, les amis. Puis moi, je vais taffer. Enfin, je vais voir si je peux travailler ou pas. On sait jamais. Allez, à plus tard, les amis.
Bon, bah, après la neige du lendemain, on a à peu près entre 5 et 10 cm à des endroits. Là, on est sur Vendôme. Je vais vous faire voir des beaux petits trucs. Bougez pas, deux petites secondes. Là, j'aime bien cet endroit-là, à droite. Les voitures, ils sont blindés. Hein. Franchement, c'est vraiment rare. Ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu ça. On va éteindre le chauffage, ça fera peut-être bien mieux. C'est magnifique. Inutile de vous dire que ça glisse comme je sais jamais là. Tous les arbres sont beaux. Du coup, je sais pas si. Peut-être une vidéo bécane sous la neige ou je sais pas. De la luge. J'essaie de me trouver un petit endroit faire de la luge. Je sais pas si en vidéo on se rend bien compte, mais c'est beau. Je sais pas, mais ouais, c'est juste magnifique. Et ça continue encore à neiger jusqu'à 11h. Là, je fais la vidéo. Il est il y a le compteur là. Il y a 10h40. Il avance d'une heure. Il y a 9h. Il est 9h40. Tout à l'heure, je m'amusais avec le camion à faire que des drifts. Alors, ce matin, je vous avais filmé ici, enfin dans le début de la vidéo plutôt. Puis, comme on voit, on n'a vraiment qu'une voie. Là, si on se déporte un peu. Voilà, tu t'amuses quoi. Regardez un peu comment c'est. Là, c'est une double voie ici. On est sur une 4 voies. Ah voilà quoi. C'est dommage parce qu'il y a des aides. Il y a tous les aides. Quand tu glisses, le anti-patinage, toutes ces conneries là. Mais ça pourrait être sympa. Enfin, je m'amuse quand même déjà assez, ça va. Il y a des champs par contre, ils sont verts encore. J'ai l'impression que ça a moins neigé, c'est par vague. Mais ouais. Ah, j'aime bien rouler là-dessus. Ah je peux te dire que ça glisse. Seigneur. Bon bah voilà les routes. Ils sont même pas déneigés. Pourtant tout à l'heure j'ai vu la sableuse là, un petit peu plus haut. Mais il y a juste pile poil les traces de voiture quoi. Là c'est une voie, une route. C'est une route où se croise. Où qu'on se croise. Au niveau des fossés là c'est blindé. Hein. Ah il doit y avoir gros en neige. Bah attends, c'est la déneigeuse qui est devant là. Bah oui, c'est la déneigeuse. Elle est en train de déneiger tout le. Ok, enfin elle est là. Ah, c'est qu'il y en a deux. Parce que en Vendôme, il y en avait une. Regardez là. Et ça, rien, ça a enlevé juste l'épaisseur, c'est tout. Mais en dessous, c'est gelé, alors du coup, ça glisse tout autant. Je vais vous faire une petite démonstration. C'est parti. Ah, il y a les aides. Enfin bref, le cul, il part quand même s'il y a les aides, il n'y a pas à chier. C'est beau, c'est magnifique. Ça donne envie d'aller rouler dans les champs, là. Je vais voir ça cet après-midi.